Bah, si on ne l'avait pas respecté, je pense qu'on serait éliminé parce que c'est une équipe avec ses caractéristiques, c'est une équipe très généreuse, très engagée. Les conditions de jeu étaient difficiles, mais elles étaient difficiles aussi pour les deux. Et on pensait avoir fait plus dur en allant avec 3 buts d'avance. Mais on s'est complètement déconcentré, on a lâché trop rapidement l'affaire sans tenir compte de la qualité de l'adversaire. C'est ce que je regrette. On a concédé notamment le deuxième but, un pénalty. On peut éviter ce genre de faute-là. Et voilà, l'essentiel était la qualification, mais ça a été dur. Et dans ce genre de match-là, et on l'a vu hier, dans les dernières minutes, les dernières secondes, il peut toujours y avoir un exploit du petit. Heureusement que Bekora, on n'a pas pu égaliser et que, voilà, on se qualifie en 95 minutes. C'est le principal, mais il y a quand même beaucoup de choses à encore travailler, retravailler pour être plus constant dans un match. Juste comment vous avez trouvé cette équipe de l'US Raon ? Dans ses caractéristiques, très. Le jeu, mais de notre côté c'était pareil, le terrain ne favorisait pas du jeu au sol, il y avait beaucoup de jeux directs, mais avec un secteur offensif très intéressant, que ce soit par l'avant-centre, par le numéro 10, par l'excentré gauche, voilà, ce sont des joueurs qui sont bons techniquement et qui peuvent mettre en danger beaucoup d'adversaires.